Bonsoir Paris, yeah. Salut tout le monde, c'est Bilal Hassani, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va de ouf. Aujourd'hui c'est une vidéo trop cool. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 décembre et il y a une semaine, jour pour jour, c'était l'anniversaire de ma maman. Ma maman qui fêtait évidemment ses 19 ans, hein, on le sait tous. Donc ma mère c'était son anniversaire et j'avais absolument envie de faire un truc de psychopathe, un truc de malade. J'avais envie de la faire vivre dans la peau d'une star pendant 24 heures. Genre, je voulais vraiment qu'elle vive la journée de rêve et tout sans se soucier de rien. Je vais vous montrer toutes les images de cette journée, c'était l'une des plus belles journées de ma vie. J'ai passé un trop bon moment, j'espère que vous aussi vous allez kiffer. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et aussi de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Let's go! Bonjour maman! Bonjour mon fils! Tu es trop belle! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, maman. Happy birthday to you. Merci, mon garçon. Ça va, t'es contente? Ouais, je suis très contente. De fêter tes 23 ans. Est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Pas du tout. Alors, on a commencé la journée en prenant un van. Ouh, van. Donc, maman s'y attendait absolument pas. Elle descend, elle pensait qu'on allait aller chercher la voiture dans le parking. Mais tu vas où, maman? Non, on va là-bas. Comment vous sentez-vous, madame la grande star? Bien, c'est cool. Puis en plus, on a du soleil. On nous envoie du soleil. C'est juste, c'est ça. C'est une journée très solaire. C'est génial. Là, on arrive dans un endroit qui s'appelle les Jardins de Nana. Donc les Jardins de Nana, c'est genre une institut qui fait et manucure, et sourcils, et massage. Et donc, je me suis dit, quoi de mieux qu'un massage pour commencer sa journée? C'est génial. Je vous laisse dans l'univers. Tu vas trouver les vêtements, j'arrive. Après le massage, on a décidé de lui faire les ongles et les sourcils. Moi aussi j'en ai profité pour refaire les miens. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc maman a fait ses ongles et to and we leave. Donc là nous sommes dans la coquille. Tu viens de faire tes ongles. J'ai fait mes ongles, je vais faire mes ongles. Petit massage des mains. Le massage il s'est passé comment? Le massage était extraordinaire. Alors, j'avais absolument besoin de vous en parler avant de vous montrer les images parce que c'est vraiment un truc de malade qui s'est passé. Donc, je vous explique. Ma mère est fan, genre fan de Myriam K. Myriam K, c'est une coiffeuse et Myriam K, c'est des produits aussi pour les cheveux et tout. Et ma mère, elle est genre fan. Genre, quand je vous dis, c'est limite... Quand elle me parle des produits de Myriam K, j'ai l'impression qu'elle a un partenariat avec Myriam K. Tu vois, genre elle est en mode non, mais tu ne sais pas que la grande pour les cheveux. Et j'ai l'impression, oh my god, mom. Mais donc, le truc, c'est que j'ai réussi aujourd'hui à privatiser une séance de coiffure et de soins avec Myriam K elle-même pour coiffer ma mère, lui faire un soin dans les cheveux et tout, dans le salon de Myriam K, mais dans une pièce à part où on était tranquillou. Donc, c'était ma mère, mon frère et moi. Et on mangeait, on faisait notre petite vie, et maman, elle faisait ses soins, ses trucs, et Myriam s'occupait d'elle. C'était crazy. Je vous laisse les images. Oh my god. On va chez Myriam K. Oui. C'est pas possible. T'as réussi à voir ça? Ouais. C'est la surprise du siècle. C'est bien, on va bien s'occuper. C'est une bonne idée qu'il a eu. Je suis trop contente. Là, c'est votre journée. Wow. Vous faites des très 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 belles choses, des très bons produits. Et en plus, c'est cosy. Oh, Myriam. Qui va s'occuper de moi personnellement. Oh my god. Donc guys, je vais faire un petit room tour. Donc là actuellement on est dans la suite M de Myriam K. Donc voilà la grande ici dans ce tableau. Donc c'est maman aujourd'hui qui est la vedette. C'est normal hein. Ton cerveau il fume. Ah oui, tu vois, tu me montres ça. Légendaire. Moi, après avoir dit bonsoir Paris en 21 langues. Wow. Yes.
Tu vis pas ta meilleure vie là? Oui. Ouh. C'est une sensation extraordinaire que je n'ai jamais eue. Myriam. Merci. C'est fou. Donc voilà, quand on en a fini avec Myriam, comme vous pouvez le voir, maman était magnifique, elle était en flic. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé au Before Beauty Bar. Aujourd'hui, on s'est focus sur le make-up. Donc, maman s'est fait make-up. Just look at her, getting all pretty and stuff. Marine va faire le make-up. Et j'ai trop hâte. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que t'as en tête? Alors pour l'instant j'ai mis une base illuminatrice. J'ai déjà un peu de que j'adore, j'adore la bande toute Claudine chez NYX pour rapporter de la lumière. Et donc là on va travailler les cernes et le teint. Et après par la suite on va mettre en valeur les yeux et légèrement la bouche. Voilà. Parfait. Génial. Bah, j'ai trop hâte. Donc this is the before. Il y a juste le primer glowy. Et on se retrouve pour le after. Donc voilà, la maman elle était toute belle, fin maquillée. Elle se disait mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Genre c'est bon, tu m'as coiffée, tu m'as maquillée, je me suis fait masser, j'ai fait mes ongles, j'ai fait mes sourcils, que veux-tu? Que veux-tu? Donc on est allé à dress code et on s'est dit genre mom, tête au pied, c'est tête au pied. Donc on lui a fait un outfit, un killer outfit, trop trop cool. Donc une petite robe de chez Guess, un peu kaki pour aller bien avec son regard, qui était un petit peu taupe. Et un manteau en vinyle noir, bam, comme ça, jeune, direct, clin, 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 clin. Et des chaussures freelance avec des flammes pour rajeunir encore plus son look. Parce qu'évidemment, maman, en fait, c'est 12 ans. On est allé à Adécrou, my agency, pour qu'elle puisse récupérer des petits cadeaux qu'elle avait reçus. Donc elle a reçu un colis de chez Yves Rocher et un colis de chez NYX et des Skechers. Donc on est parti, on a pris notre dernier van pour aller dans un endroit trop 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 stylé. C'est un restaurant qui s'appelle le Pink Mama où il y a la queue devant à partir de 17h. Tous les jours, c'est impossible d'y manger et on est arrivé, on était là en mode hi. Et boum, ils nous ont fait monter, on s'est installé, on a mangé vraiment notre meilleure vie qu'on a mangé et c'était tellement bon. C'est comme ça que la journée s'est terminée, on a éteint toutes les caméras, tous les trucs comme ça pour passer à un moment un petit peu plus entre nous pour finir la journée. Mais honnêtement c'était trop 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 sympa, c'était l'un des plus beaux moments de ma vie, ça restera ancré pour toujours. Et vraiment je suis trop contente de pouvoir faire une vidéo comme ça pour pouvoir vous montrer justement ça à vous, mais surtout pour que moi je puisse le revoir et que je puisse me remémorer ces souvenirs toute ma vie. Parce qu'on dit souvent ça avec nos potes, mais les souvenirs qu'on va se faire avec toutes les vidéos qu'on a fait sur YouTube, c'est un truc de malade. Genre je vais avoir peut-être 50 ans et je vais regarder ça et je vais être en mode waouh. Anyway guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi perso ça m'a trop 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 fait plaisir de la filmer. C'est la fin, donc je fais des gros bisous. Parce que qui dit fin dit bisous, au revoir genre. On se retrouve la semaine prochaine. Donc mercredi ou vendredi à 18h. Mais peut-être que vendredi à 18h. Parce que là en ce moment je suis en train de me rendre compte que c'est hyper compliqué de faire deux vidéos par semaine. Parce que je vous prépare un projet de ouf. Peut-être que à l'heure où cette vidéo est sortie, vous savez déjà c'est quoi le projet de ouf. J'essaie quand même de sortir mes deux vidéos la semaine prochaine. Sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis bye. Yeah.